Désolé les bros, parfois mon micro il bug trop parce que j'ai que mon téléphone, j'ai pas beaucoup de matériel donc désolé, je me débrouille comme je peux. Désolé, parfois ça bug. Bonne vidéo à vous. Yo les bros, ici Barry, ici on parle de séries, parfois on parle des films mais c'est rare, parfois on parle des animés aussi mais c'est rare. Alors aujourd'hui on se trouve pour un actu série, ici on parle de l'actualité de vos séries préférées. Désolé, pendant toute la semaine il n'y avait pas eu de vidéo mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. En plus j'ai acheté un petit micro, c'est pas un micro, c'est des écouteurs, bref c'est pas important. Alors aujourd'hui on va parler de Lucifer, c'est un de mes séries préférées comme vous le savez, on va parler de Harry Potter, on va parler de Riverdale, on va parler de beaucoup de séries, j'ai pas envie de vous spoil sur toute la vidéo, restez jusqu'à la fin et on passe à la première news. On a eu le premier trailer de Superman and Lois, la série je pense pas que je vais regarder parce que déjà j'aime pas trop Superman parce que à cause de lui, dans Supergirl, à chaque fois, on va dire si c'était ton cousin, si c'était lui. On s'en fout de lui, c'est Supergirl. Bref, il y a le teaser qui est sorti, je sais pas si je vais regarder. Franchement, je pense pas que je vais regarder. Bref, je vais vous mettre le teaser et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. On va passer direct à la prochaine news. We all begin as one version of ourselves. But as we grow, life changes us. Every moment, shaping our character, shifting our priorities, stretching every fiber of our being, until we think we've lost ourselves to the stress of it all. But that's not true, because under the torn fibers is a stronger person, forged like steel, with the courage to fight for those we love. And what we thought was lost can be found in family. On a eu quelques photos de la saison 5 de Riverdale. Franchement, j'ai pas fini Riverdale, je suis qu'à la saison 4, je suis à l'épisode 16 ou un truc comme ça. Parce que la fin c'était devenu un peu mou, j'aimais pas trop. Dites-moi si la fin de la saison 4 est bien. Et je vous rappelle que les trois premiers épisodes vont suivre la saison 4. Et après, on va faire un bout de temps de 6 ans ou 7 ans, je sais plus. Bref, vous avez compris. Et déjà dans le combat, on voit Archie contre quelqu'un qu'on connaît pas du tout. Et on passe aux prochaines news. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez des photos. L'actrice qui joue Sabrina Kierna, elle aussi, elle est déçue de la fin. Dites-moi si vous avez regardé Sabrina, même moi, j'ai pas kiffé la fin. La fin, elle était... En fait, c'est trop bizarre. En fait, j'ai aimé 50%, j'ai détesté 50%. C'est trop bizarre, faut regarder pour comprendre. En gros, l'actrice, elle a dit qu'elle était déçue de la fin. Regardez, j'ai pas envie de vous spoiler. Bref, on passe au prochain news. Je vais essayer de faire une vidéo pourquoi j'ai trouvé que la fin était un peu nulle. Vous allez comprendre, je vais faire une vidéo, vous inquiétez pas. Cobra Kai a été sorti le 1er janvier sur Netflix. Il y a beaucoup de gens qui croient que la saison 3, ce sera la dernière saison, alors que c'est pas du tout le cas. Peut-être qu'il y aura deux saisons de plus. Si vous ne connaissez pas Cobra Kai, allez regarder, vous allez direct kiffer. Si vous kiffez un peu les combats, même si vous ne kiffez pas les combats, vous allez kiffer la série, parce que la série, elle est ouf. On passe aux prochaines news. Si vous me suivez depuis quelques semaines, vous le savez, c'est un de mes films préférés, Ready Player. Bref, le film était sorti en 2018, c'était inspiré d'un roman, et le roman, il y a un deuxième, peut-être le film aussi, il y aura un deuxième. Je pense qu'il y aura un deuxième, c'est presque sûr. Bref, on passe au prochain news. L'acteur qui joue Ron dans Harry Potter, il a assuré que lui, il est prêt pour un nouveau Harry Potter. Il faut qu'on voit Daniel, lui qui joue Harry Potter dans Harry Potter, et les autres acteurs, quoi, vous avez compris. C'est un truc de ouf. Je suis pas trop fan de Harry Potter, mais je pense que je vais regarder ça parce qu'on va voir les acteurs grands. Je vais essayer de regarder. Il manque juste Emma Watson et Daniel. Si Emma Watson elle est d'accord et Daniel il est d'accord, c'est parti pour les sorciers. Emma Watson elle est trop belle, c'est pour ça. Je vais juste regarder pour ça. Bref, c'était Barry fait des vidéos pour parler d'un film ou parler d'une série. On dit ciao et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez des actus de série.